oyi alobi alobi malamu moko akokutana na liwa moko akozala paralysé ce que moi j'ai entendu donc des grands candidats potentiels alors na vers la fin na yoki ke ils seront démasqués alors s'il y a parmi les candidats faut juste là tokolo banane candidat il y a personne qui est candidat. Alors, on ne peut pas commenter à quelque chose qui est encore l'Assemblée de vie. Mais déjà que candidat Union Sacrée ça déjà bah tout le monde va être assez prononcé qui tout le monde est assez prononcé qui tout le monde est assez prononcé que candidat bah nous a fatigué béton. Côté il y a ensemble bah on va payer candidat bah nous a Moïse Katumbi. Côté à la Moka jusque là bien que dans nos conseils c'est ça la mité entre Fayulu et Mouzito mais déjà actuellement coordonnateur il y a la Moka c'est Fayulu. Donc, d'où tout le temps pour le candidat, tout le monde a déjà failli, tout le monde a Félix Antoine Tshisekedi, tout le monde a chef de l'État, tout le monde a été Moïse Katumbi. Mais prophétie, tu as jugé Yango, l'accomplissement de Yango. Avant l'élection, que ce soit en 2023, na Yango, que ce soit après 2023, mais pendant l'élection, tu as dit que tout le monde a accomplissement à prophétie. Sécurité, il y a la police à sa disposition, voire même le service intelligent, tu as dit. Vous comprenez, papa? Asa muto pamba pamba te oko kende ka boye non asa ka garde moko non il ne peut pas manquer 2 3 4 cartes o yaye moko privé na o ba tient à disposition na en tant que ministre ya domaine o yaza si a le bien batoyo bazou la que ce peuple congolais face A mais la face B bazou comploter contre maquiller zo tanga na mboka oyo les jours la tanga retomber je dirais merci à Dieu parce que le pays sera délivré c'est ça le ngana ko do pour dire que on voulait tuer le chef de l'État, on planifie pour tuer le chef de l'État, tout ça. Mais ça, nous pouvons le marier à ce que Wallace avait dit. Qu'il y a une planification. Alors, qu'il y a une planification pour nous constater la mabé, le chef de l'État. Alors, prions. Ma mission TV, le miroir du monde. Très heureux de savoir que Boza est belé et qu'on continue pour ça la biso confiance. Nous, c'est ma mission télévision. Moi, c'est le vôtre cardinal Semi Tsingy. Na cadre ya Allo Congo, ya Mkulalelo. Nazali na Sengo ya Koyamba, Paul Nabino, coordonnateur ya majorité populaire acquise au président de la République, un paper na Mkuse. Et le monde a été la actualité ya Mboka Bobi très bien que l'homme dédié, Mosel Nanzame, et surtout que Bangone Bazan actualité Mikolo, mais. Nouvelle, les a au beaucoup constaté, mais il y a le Louis Aké, pasteur Roland Dallo, Aïbi Bongo, dans sa prophétie, ou à Pépa, il a bien annoncé qu'un grand candidat aux élections en 2023 à Koukoué, il y a avant-course. Togolo Belangom, Kola Lelo, et Togolo Bapu, les sous le Kamutali Bongo, Liwa, il y a ministre provincial, il y a jeunesse, il y a Tchouapa, ou à Tibongo Koukoufa, poignardé en plein bar, Kounana Tchouapa, et Togolo Bapu, les sous le Kamboya. Sécurité, na République démocratique du Congo, na ville, il y a Kinshasa. Pourquoi pas tomber dans le solo, il y a état de siège parce que, bah, côté qu'on a est en Bokana Bissot, ils ont compté vraiment que ça la passe. Et Longo, n'a invité Nangaï, Maso Toksola Poualolo, Yangoana, Olivier Bakatwamba, Mbote Nayo. Mbote, messieurs journalistes, merci, la confiance en opportunité, Oyo. Il y a qu'on discute, n'a pas point Oyo, à l'ordre du jour. Ok, Balandiama, mission télévision, Bazo Landayo, Toki Bissonio, Sona. Vidéo m'a circulé dans le réseau et ça allait à peu près 4 minutes. Pasteur Roland Dallo a annoncé qu'il y a un grand candidat aux élections en 2023 à Koué Babongo Koukouéa avant course et élection. Au moins, qui vidéo, Olanda Kiango analyse nous ça par rapport à la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Et là, on a une ligne à Balandina Bissoba Yoka. Ngaï, en tant que serviteur de Dieu aussi, je ne pourrais pas me mettre en place à Bandoko critiquer. Ou qu'on commente prophétie. On ne commente pas la prophétie. Mais prophétie, tu peux juger Yango, l'accomplissement de Yango. Alors, comme prophétie, ils ont la future, en 2023, pendant. Bon, ça peut ou ne pas être en 2023. Donc, ce que nous savons, c'est qu'avant l'élection, que ce soit en 2023, na Yango, que ce soit après 2023, mais pendant l'élection, tu peux dire que l'accomplissement de la prophétie. Il y a pasteur Roland Dallo. Alors, on a Oya Lobby. Ouais. Na peut-être trop commenter les réseaux sociaux. J'aurais aimé, selon moi, les cas qui ont
l'un des chaînes de télévision pour nous en référence. Na cité chez Noana et puis na émettre un peu moi avis par rapport à ça. Mais au lundi les réseaux sociaux a été à lobby, les gens seront démasqués. Alors, ce qui y a de gens, il y a des candidats qui complotent contre le peuple congolais. S'il y a des candidats qui font des alliances, Yamabe contre Mboka Oyo, à ce moment-là, c'est là où Dieu agit. Vous comprenez, papa? Alors, il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il a dit, les gens seront démasqués. Alors, Oya Yebi, Kazana plan Mabe, Namboka Oyo. Plan peut-être à Rotang Samakila. Plan peut-être aux autres de l'insécurité. Na Est, il y a des millions de morts. Dans le plateau, il y a France 24. Tant Bazoul de Makambo, il craigne. Moutoumoko, un Français, qui pose la question aux journalistes à France 24 pour le ah ouais, il craigne Bazoul Loba. Mais au Congo, il y a des gens qui meurent chaque jour pour le Belakamote pour Anine. Journaliste avec quoi qui ah non, c'est pour dire qu'il y a des morts chaque jour. Alors, s'il y a des candidats qui complotent d'une manière ou d'une autre, en catimini, contre la vie du peuple congolais, au moins, prophétie Wana, vous allez une délivrance pour le peuple. Mais, toi, vous un peu comprendre, est-ce que tant Moussa Nzambe, Roland Dalo, qui n'est pas le moindre, tant Azo sa message, tant Azo prophétie Wana, Azo Loba, par rapport à l'état de santé, il y a un candidat, tout Azo Loba, par rapport à complot, Ndengyozo, le monde, mais ce qui est en abattu, va compléter contre le peuple congolais. Alors, par rapport à mort et pour frapper, mort, tout à l'heure, par rapport à la santé, il y a un candidat à Bissot. Actuellement, tu es chef de l'État à Outina Malade, en Belgique. Est-ce que ça, si tu es déjà dans un hôtel, c'est que non, qu'il y a un moussous, et vous, ça, la pique, et pourquoi m'a bouillé, et pourquoi m'a moussous? Bon, je ne sais pas, le Congolais, il y a une marque na Bango, Bango Nyon Sauté, hein, marque na Bango, à cause de l'information, Moutignon soit Bella, on appelle à Outio Bella. Alors, vu que quand il y a le numéro 1 en Boka Belli, c'est comme si pour Naye, mais chaque jour, on n'en fait pas un problème. Donc, où il y a le lobby, malamo. Moko, a kokouta na naliwa. Moko, a kouza la paralysé. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc, des grands candidats potentiels. Alors, vers la fin, ils seront démasqués. Alors, s'il y a parmi les candidats, pour juste la Togo Lobana, un candidat, il n'y a personne qui est candidat. Alors, on ne peut pas commenter quelque chose qui est encore la salle de vie. Mais déjà que candidat Union Sacrée a déjà tout le monde s'est prononcé, candidat Bangouza Fatou Béton. Côté il y a ensemble, candidat Bangouza Moïse Katumbi. Côté à la Moka, jusque là bien que nous avons conseillé des salamités entre Fayou, Luna, Mouzito, mais déjà, actuellement, coordonnateur, il y a la Moka, c'est Fayou. Donc, d'où tant le candidat, tout le monde a déjà failli, tout le monde a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le chef de l'État, tout le monde a été Moïse Katumbi Tshiapwe. Et quand on parle d'un grand candidat qui sera tombé, on voit déjà, directement les trois là, où okay, Baza Sibé, dans le message, il y a Pasteur Roland Dalo, ou Azali Pé. Moko, Azali Pasteur, il y a chef de l'État, Azali Pé, Pasteur, il y a président Martin Fayulu, bien qu'actuellement, à fréquentation, c'est existe après Marabout et les Kakiwana. Bon, je pense que la majorité du peuple congolais vision na bango ke na bato yo cité wana. Mais juridiquement parlant ou dans la réalité, il y a encore aucun candidat na élection en 2023. Toko le candidat o ya ke déposer candidature na CENI. Pas o ya prédire. Moi je peux aussi prédire que je serai un candidat. Mais le jour J, je ne serai pas un candidat. Je ne pourrais pas commencer à citer les noms des individus par rapport à la prophétie. Attendons voir. Alors, qui vous a dit que c'est seulement les gens que vous avez cités là, les candidats potentiels? Je prends l'exemple de Fayulu. Fayulu est sorti candidat potentiel du hasard. Il y a une année, 6 mois avant l'élection, on ne parlait pas de Fayulu. Vous comprenez, papa? Alors, circonstance, moi, salami, et puis, est propulsé à combien de candidats potentiels? Alors, ne négligez pas, on a encore une année et demie. Presque une année et demie. Peut-être candidat 4e génération politique, Olivier Kobimawana. Peuple congolais, nous sommes tombés. Partout dans les cas, nous sommes tombés. Candidat Yewan. Nous un candidat potentiel. Parce que y a un potentiel qui est comme moi. Potentiel qui est cité par rapport à l'engouement de la Katia Boka. Alors, si on a un candidat,
peuple congolais doit être non, c'est leader de la quatrième génération. Il y a des candidats à Nabiso. Partout dans la province, il y a des candidats à Nabiso. Il y a des candidats à Nabiso. Il y a des candidats potentiels. Par rapport à qui? Alors, attendons voir. Tant qu'on repose des candidatures, et après, pendant la campagne électorale, notre état là, nan y a une chaise roulante, nan y a un couf. Mais le bien, la prophétie de Dieu n'est pas comme la prophétie du diable. Ou ça peut se faire par la haine, non. Prophétie en Zambé, babenga kaye Jova chicken. Ça veut dire Dieu de la justice. Tant que vous êtes là, juge au baza awa, mais il y a un grand juge. Ou à la kamite, mais il y a un bateau, vous êtes là, nan koukou. Si, à le bien, Batoyo, bazou, la qui peuple congolais face A, mais la face B, bazou comploté contre Makilé, zo tanganamboka oyo. Les jours là, tant que va retomber, je dirais merci à Dieu parce que le pays sera délivré. C'est ça, le Kouman Akodo. Pour la prophétie, il y a pasteur Ronald Dalo. Ok, l'homme de Dieu, n'a pas été mis en position à moi, Sima, dans l'état, après l'élection, tu auras appelé pasteur Wale Sakolobake, chef de l'état, il faut mon aïe, parce qu'il a joué les prophéties à Louis Alibosso naïe. Tout le monde est chef de l'État, tout le monde est malade. L'obé sous prophétie, il dit que non, un grand candidat au Koufa. Tout est interprété en monde. Il ne faut pas conserver la confusion dans le téléspectateur. Tant que Wale Salobaki, il est allé, si je me souviens, dans Zimbabwe pour aller prier. Vous comprenez? Dans ma camarade, ce qui est révélé, est condamné, si réellement si, nous les prenons avec du sérieux. Et nous prions pour ça. Il est allé prier. Alors, tant que chef de l'État Zongi, bon, je ne peux pas parler de ça comme une réalité, mais on aurait attendu qu'on planifie un coup d'État contre lui. Comprendre? Et les gens, plusieurs personnes ont passé dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour dire que on voulait tuer le chef de l'État. On planifie pour tuer le chef de l'État, tout ça. Mais ça, nous pouvons le marier à ce que Wallace avait dit. Qu'il y a une planification. Alors, il y a une planification. Il y a une planification. Pour nous constater la mabé, le chef de l'État. Alors, prions. Alors, je ne sais pas démasqué. Peut-être que je suis démasqué en Afrique. Je suis démasqué en Afrique. Je suis démasqué en Afrique. Tant qu'on a après quelques jours, le coup d'état de l'Ingé à Congo. Alors, Batoamine n'est pas juste là. Bazan a interrogatoire, il y a un service intelligent en Boka. C'est pour dire que c'est en ça que vous pouvez lier la prophétie. Il y a pasteur, il y a l'évangéliste Kabundialis. Alors, ne peut pas lier ça à une maladie de quelqu'un. Il faut me dire peut-être qu'il n'y a personne dans la planète où il y a tika no belate. Sauf si tu es là, combo mutuana. Bon. Je pourrais dire peut-être que non, c'est bon. Dans ces cas-là, commentons sur la maladie de quelqu'un. Je ne peux pas commenter sur la maladie. Quelqu'un peut tomber malade. Toi-même, là, tu tombes malade. Tu peux commenter sur la maladie à chef de l'État. Oui, non, je ne peux pas lier. Je ne peux pas lier. Tu es au cas où dans l'État, l'Obaki. Le lot, passeur Roland Dalo, l'Obi. Chef de l'État, tu es malade. Et qu'on a déjà, il y avait déjà un faux prophète, qui nous prédire déjà un coup d'État, un banine. Mais non, mais vous êtes dans la réalité. Il aurait un coup d'État raté. Je parle au conditionnel. Alors, ce qui est en réellement est rattaqué. Ça veut dire que le masque est tombé, qui a battu la planification. Il y a un coup qui est lié à la prophétie ou annonce ou avertissement. Il y a évangéliste Kabundialis. Maintenant, c'est une prophétie pendant, avant les élections. Quand on parle de candidats, on ne parle pas de l'autoproclamé. Un candidat, c'est lui qui a déposé son dossier à la CENI, validé par la Cour constitutionnelle. Au moment où nous parlons ici, personne n'a déposé. Alors, on ne peut pas lier cette prophétie-là aux gens que nous connaissons, qui ne sont même pas des candidats. Mais qui s'autoproclame candidat ou qui annonce leur candidature? Non. Olivier Bakatomba, chef de l'État Zongaki, tout le monde a dit qu'il y a un sacré bagage qui est en aéroport international de Njili. Il y a un minerve qui est en Kingo. Il y a un médecin qui est en Ipsi, qui est en Mikolo,
comment vraiment que Azongil biso en bonne forme. D'ici lundi, il sera à Dubaï. Alors, mon frère, prendre l'avion, atterrir, ce n'est pas une mince affaire. Sois en bonne santé, tu es au salaire en côté. Kakata, il y a Moké, il y a le désert, il y a Congo, il y a la province. C'est beaucoup. Mais prendre 2 heures et 2 heures, 8 heures, 12 heures, Osaka, Likolo, ce n'est pas une mince affaire. Donc, s'il le fait, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et les inutile samedi, d'aller commenter. Le samedi, a lancé bah, travaux, il y a un séminaire, il y a un député provincial, mais curieusement, dans la salle, il y a quitté, il y a Bimé qui a quitté, il y a un estime. Mais un chef, quand il vient, il lance. Quand il lance le reste, il y a des gens qui vont continuer. À Salé, il y a épargne, c'est fini, le reste, le gouvernement, il continue. Il ne peut pas rester là toute la journée. Il ne peut pas rester là toute la journée. Donc, il a lancé seulement. Et c'est fini. Le reste, c'est le continue. On ne peut pas lier ça à sa santé. On ne peut pas lier ça. Il a un agenda. Il a un agenda. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Olivier Bakatomba. Mais, je peux te camper au club de la Lissolo. Il y a ministre provincial, il y a jeunesse, il y a Chouapa Olo, Bautuko Boma, en plein bar. Il y a un civique mort, Mathieu Mbeli, na Kingo et puis Aïebi na ko tombé sur les champs oyoka ki message wana wa prena ki ngonde ngeneni comment ko koloba par rapport ya loi comme li de ko na biso wana ya tiki biso parce que ba ini amboka ba ennemi de la paix ba ti mbeli pe le loli solo comme mosusu. Bon, na présenter d'abord mes condoléances na famille nae biologique et politique. En tout cas, l'information n'est pas si mingi. N'ayons comprendre à quel niveau les gens confondent la responsabilité en tant qu'un homme d'État et aussi le plaisir de la chair. Quand vous êtes un homme d'État, il y a d'autres choses qu'on doit éviter à faire. Parce que vous êtes un homme d'État. Si on a qu'une boîte, quand je suis un homme d'État, je ne suis pas parce que c'est le milieu pour lequel mes ennemis, tant que je un homme d'État, je suis cible, je suis un homme d'État. Parce que tu as la grâce. Celui qui a la grâce attire les combats. Attire la jalousie. C'est entre guillemets, je n'ai pas encore vraiment la confirmation que réellement Baboumi est dans la carte de la boîte. Mais par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, je pourrais dire que pour la bande de Baboumi, quand vous êtes un homme d'État, il y a des endroits que vous ne pouvez pas partir. Vraiment, ça là, on a un endroit. Parce que quand vous êtes élevé, il y a aussi le combat qui s'élève contre vous. Il y a la jalousie, la haine qui s'élève contre vous. Alors, si la sécurité n'est pas bien adaptée, il ne voit pas pourquoi vous pouvez vous rendre dans ce genre. Mais Bazo Lobapé, il y avait aussi un conflit entre les deux et paraît-il, comme moi, c'est ça autour, il y a Luanaï. Mais c'est en ça que je dis. Ça veut dire que quand vous êtes un homme d'État, vous êtes. Il y a des combats qui s'élèvent parce que vous êtes élevé. Il y a la jalousie qui s'élève. Batounio, c'est pas au Lingayote. Et ça, ma ressource, c'est pas inio. Peut-être qu'on a les cambo yébi, peut-être que nous sommes pour les yébite. Pourquoi qu'on a place ou ana? Vous comprenez? Alors, puisque les combats se multiplient, vous devez aussi multiplier, prendre des disciplines pour permettre aux autres de s'exposer. Vous comprenez? Et est-ce qu'il n'avait pas la sécurité? Ça, c'est un question mark que je me pose. Est-ce qu'il y a la sécurité? Sécurité, c'est qu'il y a un petit moutouazo et un côté de Mbeli. Parce que le ministre provincial, quand même, il y a un minimum. Il y a sécurité, il y a la police à sa disposition. Voire même un service intelligent. Vous comprenez, papa? Il ne peut pas manquer 2, 3, 4 gardes. Il y a un mot privé, il est en disposition en tant que ministre, il y a domaine où il y a Zadé. Alors je me pose la question, ils étaient où? Bon, là je ne sais pas. Alors, c'est surtout ça, nous demandons seulement que justice et salement. Parce que malgré nous sommes conquis comme ça, là, vous ne pouvez pas tuer un ministre provincial en fonction. Mais comment on a rambo tant vous salé ma boito lobani parce que bah bloc comme comme répétition dernièrement peine à Kinshasa précisément dans quartier Matongé tout au monde une jeune fille tuée na copain sous Marie je ne sais pas si tout qualifié on nini et puis bah bois qui le colo yandako
na commune ya Barumbu lususu même mutabomi mwasi na ye atie na kata sac afa na ranene na kata ndao comment ba bloc ba tuerie ba comme ko se répéter hein je yo kolo banini solution ko zani pour que to me camper ko pallier na situation o ba comme bo mba tuka pamba boy mon frère. Quand vous regardez ma pays, vous allez sentir qu'il y a la stabilité en domaine de la sécurité. Dans le budget de la banque, il y a la sécurité, ça combien? Vous comprenez? Quand vous voyez le budget de la sécurité, ma pays me sous 700 milliards de dollars. Je pense voir même plus les États-Unis. Ma me sous à peine ma matière à 5 milliards de dollars. Juste pour la sécurité et la défense. Ce n'est pas en vain. C'est pour, quand on parle de la sécurité, c'est tout ça. C'est tout ça. Vous comprenez? Alors, la solution, c'est de voir notre budget de la sécurité dans son ensemble. Défense et sécurité, tout. Revoir ça. Quand on voit le budget, ça veut dire qu'on doit regretter. On doit former la police capable de sécuriser les personnes et leurs biens. Quand on dit sécuriser les personnes et leurs biens, c'est partout. Dans les lieux même où il y a des ambiances, tout autour, il doit y avoir la sécurité. Même les services intelligents peuvent être aussi dans ce genre de choses. On voit quelqu'un qui est mal intentionné m'interpeller. Est-ce que réellement, nos gens parlent. Ils allaient à la police, ils à service de renseignement, ils à l'armée, sécurité à ma province, ils sont là. Ils ont bien équipé, ils ont bien énuméré. Question mark. Il faut revoir ça, afin que sécurité à la malamo. Tant sécurité que à la malamo, au moins que Bakar Nyon soit là, et que la maîtriser. Partout dans le monde, l'insécurité est permanente. Pourquoi l'insécurité est permanente? Tant que nous avons une bien intention dans la tête. Peut-être que nous avons mis pour la bête du coffre. Ça veut dire que tu étais en insécurité. Vous comprenez, hein? Alors, il faut penser comme ça pour adapter une sécurité par rapport à ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, là où il y a des hommes, il y a l'insécurité. Base à l'armée ou pas, il y a l'insécurité. Comment y remédier à ça? C'est ce qui doit nous pousser notre gouvernement à accentuer ou à augmenter le budget de sécurité pour sécuriser le peuple congolais. C'est ça la solution. Et déjà, tant que vous avez la sécurité, tout à fait dans la partie est, surtout dans la ville de Goma, dans Beni. Donc, au moins, il y a des gens qui continuent chaque jour. Dernièrement, le samedi passé, dans le territoire où il y a Oromo, il y a bombé plus de 25 personnes. Insécurité toujours. Alors que la partie où on est sous état de siège. Le lobe est dans la 16e ou 15e prorogation état de siège. Bilan pour l'état de siège depuis qu'ils ont décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci beaucoup, Ndeko Nangai. Au côté de la CIG, Nami Pessi, pour apporter ma contribution, afin que Makilia Bandeko Nabi sur place Isali, tout Nango ou quantité Nango est diminuée. Parce que chaque jour, Makilia est autant. Je ne pourrais pas dire que la contribution que nous apportons, il y a un peu aussi ça qui l'aime à la moque, non. Il y a un peu d'ailleurs pour nous, il y a un peu de la contribution de ça qui est solution. Je viens. Dans ma cambo guerre asymétrique, et ça m'a cambo oyo responsabilité de la caca à l'état. Vous comprenez? Dans un peu exemple, avant, n'a pas de cocotte en question. Dans un peu exemple, il y a Afghanistan. Afghanistan na katinaye azana tribu moko ndambo abato tribu wana basi akoma bazaba ba milice azo benga ba taliban milice wana eumeli en fait que mboka ba konzi ya Afghanistan basengi a peine na autant. Bon, je n'ai pas la précision là-dessus. Si c'est eux qui ont. Mais si l'OTAN vient dans un pays, ça veut dire qu'il a l'autorisation des dirigeants de ce pays-là. Justement. OTAN est agi na Afghanistan, particulièrement la force américaine. C'est la plus grande force du monde en termes de la défense. Juste, bah dans la première position, après, Bangoza a reçu. Effectivement. Mais tu as la force, Swana, et où mène l'Afghanistan? Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans. C'est quoi la question de la zone? Est-ce que guerre asymétrique, Oyo, et Zanagat et Afghanistan, bah, c'est ici, hein? Gouvernement afghan, et c'est ça qui est? Question qu'on peut s'en aller dans. Alors, Amérique a gagné, autant qu'on a gagné, il y a Afghanistan, quand il y a des milices, il y a des tribunaux, des talibans, il y a des pouvoirs dans le pouvoir dans l'Afghanistan. Vous comprenez? C'est pour vous montrer que la guerre asymétrique, c'est ça qui est. Pourquoi c'est ça? Parce que tant la guerre est asymétrique, l'ennemi est confondu aussi à la population. La tactique de guerre, c'est la population comme bouclier humain. Vous comprenez?
Yangope marque à guerre en ligne salama na le coup de la Kiev. Ils ont réussi à freiner. Parce que côté a imité nané robot ma soda naï. Au moins la population ça déjà na Mindouki. C'est difficile. Soit au robot mutunyo soit au moins en tenue civile. Et qu'on fait un crime contre l'humanité. Soit il faut cibler c'est ce qui est aussi très difficile, c'est cette guerre-là. Na katia Congo guerre zali. Parce que na Beni le 25, nous avons déposé une bombe. Azaki en tenue militaire. Le 25 décembre, en plein centre, Azaki en tenue militaire. Déposé la bombe et ça là-bas. Beni. Azaki en tenue militaire. Azaki en tenue civile. Vous comprenez? Pour ça, Azaki en tenue militaire, on va repérer on a des forces. Bon, Azaki en tenue civile. Ça veut dire que quand quelqu'un vient péter la tenue civile, à déposer le qu'on a. Parce qu'on confond de quand c'est client, à peu comme là, quand on a été dans sac, le qu'on a été dans un plateau dans sac nanga, quand on a été dans sac bon bezali. Ça veut dire ce qui ma cambo population et côté yango, bah comme complice, guerroana et comme guerro gouvernement il m'occupe si ça rien monte. Mais contribution à binoscopo na ko. C'est ça là où je viens. Gouvernement il m'occupe si ça rien monte. Ce qui en Afghanistan, avec l'OTAN, je ne vois pas seulement le Congo, avec uniquement la FARDC, le budget de la défense, la sécurité, aussi sa guerre à Marwan. Il faut quoi? Il faut la responsabilité triangulaire. C'est quoi la responsabilité triangulaire? Il faut responsabilité, il y a politique, il y a institution, il y a Mboka, Nios et dans la Nakati. Responsabilité. Il y a service de sécurité, donc armée, la police et renseignement, et Zanakat. Responsabilité, il y a population. Quand je vois la population, je vois et les députés, les chefs coutumiers, les commerçants, tout ça. Hein? Et ça, le troisième bloc. Et ça, il forme triangle. Oui, mais il y a une forme triangle. Ce qui est l'un des trois points, exacté, forme géométrique exacté, est égal à zéro. Vous comprenez? Je voulais dire quoi par là? Mathématiquement, triangle, sur le mot point O, il y a sommet. Et qui dit, aux formes géométriques. Soit le rôle point haut et à côté, soit à gauche, et qui dit, aux formes géométriques. Soit le rôle point à droite, et qui dit, aux formes géométriques. Ça veut dire que force, forme haut et photo, pour tout le long de la guerre, il faut être à la responsabilité triangulaire. Responsabilité à la politique, responsabilité à la population, responsabilité à la sécurité. Quelle est la responsabilité à la politique? C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Il a dit bien. Nous savons très bien que les rebelles sont les rebelles qui sont les rebelles qui sont les vous comprenez? Il y a Ouganda. Il s'est installé il y a une vingtaine d'années. Côté il s'est installé à l'aéroport. Pendant 20 ans, le gouvernement est là. Il s'est installé à l'aéroport. Il s'est bombardé. C'est ce que peut-être on ne vous dit pas. Il s'est installé à 20 ans. Il s'est installé à l'aéroport. Il s'est installé à Congolais tout ça. Donc il s'est installé à l'aéroport. Même dans le monde, on dit. Ça a plus de 20 ans. Les rebelles ont eu l'occasion de me battre. Dans 4 ans, l'aéroport est allé, l'avion est quitté et Mataka, beaucoup est contrôlé. La bénédiction est banane. Mais c'est ça que je te pose d'abord cette question. Il faut que le peuple congolais ait la malam. Responsabilité n'aille, n'a responsabilité politique, n'a responsabilité armée. Ce qu'on a besoin là, c'est surtout les trois responsabilités pour que tout le monde ait la guerre. On doit comprendre. Alors, dans 4 ans, la responsabilité est politique, présent, c'est ce qu'il y a le ok. Le col là, tu crois qu'il y a une méfiance entre nos voisins. D'une manière ou d'une autre, nous partageons des frontières. À ce moment-là, le président Museveni, Bayokani. Ok, bah force Nayo, parce que bah tout oyo lelo. Ce qui va se reconstituer bien, bah j'ai un bon homme, obligé, bah qu'on ne t'écale jamais qu'on y a un pouvoir en Congo. Et Nadef, Koni et Nougande, à quoi y a un pouvoir, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, à cause de pouvoir. Donc, place à cause de pouvoir, et ça n'a qu'un pal. Ce qui va super force lelo. Le même tout ça. Et puis Dieu fait bêtise, même le numéro 1, pour ton information, il y a Adef, il a été blessé. Il a perdu les gens. Ça ne se dit pas. Les aéroports qui ont fait 20 ans, ont minéré Nyonso et Kendaka. Les lots FARDC, et puis Dieu fait bombarder. Après 20 ans, est-ce qu'après 20 ans, le gouvernement est acquitté? Après 20 ans, le président est acquitté? Donc la responsabilité politique des institutions n'avait pas sa avant place. Avant 20 ans ou après 20 ans? Avant 20 ans. Avant Tshisekedi, je veux dire. Ouais. Ça veut dire que la responsabilité politique des institutions de cette époque-là, nous pouvons les accuser aujourd'hui, nous le peuple congolais, de la 4e génération, des complices avec ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas pris des résolutions, il y a qu'au bout de sa guerre. Tu as ma résolution, pour ne pas suivre. Ma résolution, pour le coup,
fragiliser l'armée nabiso congolaise avec leur programme scientifiquement étayé et outillé pour infiltrer la FARDC. Ça la rébellion là yo. Le col yontingo bimio qui est dans l'Est, ça la rébellion là yo. Pèse la grade général, on pèse une de Rolanga, l'un de la grade colonel, on pèse une grade major, to beti massa, tant de bomimba congolais, le biboya, beaucoup n'a pas grade, n'a bien beaucoup de bomimba généraux à FARDC. C'est comme ça que vous avez l'armée. Où est la pyramide renversée dans le monde? Même la Russie, il n'a pas le nombre de généraux que le Congo a. Deuxième puissance armée, il n'a pas le nombre de généraux que le Congo a. Mais pourquoi dans 20 ans, Kabila, le père Mobutu a dit qu'il y a un nombre de généraux wanate. Pourquoi c'est maintenant pouvoir, il y a 20 ans, wana, qu'ils ont renversé la pyramide et l'armée congolaise? C'était quelque chose outillé, préparé pour neutraliser l'armée congolaise, avec la complicité de tous ces gens qui nous ont dirigés. Je pourrais vous montrer cela. Ben la gamme la télévision. Je peux vous montrer les responsabilités. La maquillage du peuple congolais. Allez-y. Alors, responsabilité la bango, là où il y a les lois, tu sais que je peux comparer. Tu sais qu'il hérite une armée. Je ne lui défends pas parce que je suis avec lui. Mais je lui défends parce que c'est un responsable politique. Oyo, agir responsabilité en tant que politique. Vous comprenez? Agir responsabilité en tant que politique, à le ok, Ouganda te dit passer la bine, mais boya tout le monde. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, quand il y a un ADEF, ça a 20 ans, il y a comment voyager et comment voyager, il y a des soucis. Il y a une débandade. Mais ils ont gardé une débandade, pourquoi? Parce qu'il y a encore leur complicité ici, à Kinshasa. Dans tout ça, tant que vous avez que non, réellement la paix est revenue. Effectivement, je suis en train de continuer comme on a capable. Donc, je vous ai montré la responsabilité. Je vous parle de la responsabilité triangulaire, la responsabilité de la politique. La responsabilité de l'autre armée, c'est au fond. Ils ont récupéré, ils ont tué plusieurs ADEF. Sauf Bandi, Banda est à DCG, Banda, Tilelo. Il y a des milliers des ADEF qui sont tués. Et leurs complices. Sur terrain. Il y a, c'est ça le résultat. La population a retrouvé vraiment. Si vous êtes à 10 000, besoin. Écoutez. Ce que la population cherche, c'est éradiquer 100% la guerre. Et c'est un processus. Vous comprenez? Qui demande aussi l'accompagnement de la population. Je te montre que des responsabilités, il y en a. Malgré que notre armée est infiltrée, na katiwana, il y a toujours les gens. Oh, bah, comment est-ce qu'on rendre l'armée dans une tâche difficile? Tant que vous avez dit 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 que vous avez. Est-ce qu'on tenait à faire des choses pas à des fois dans des années? Par exemple, Kenya ou Bakangi, ou Yamon Mondeloan, dans Azo Gorge Bakongolais, Azo Gorge Bakongolais. C'est ça la responsabilité maintenant de la population, de députés et de l'armée. Et ce n'est pas les chefs de l'État. Attendez, ce n'est pas la responsabilité politique. Qui donne maintenant? Ce n'est pas les chefs de l'État qui pardonnaient des tenues militaires à faire des choses. Bah changer tenir mais tenir ce qu'il y a c'est que au côté faire la descente habituelle on a tenu à Kala mais aux autres côtés on a tenu à Sika à Jomondène. Aujourd'hui il y a un ADEF qui a cité des députés que ces députés là au bas même la rabango bah arme bah tenir n'a quelques armes bah tenir à faire descente mais cela est pris à la légère dans ce pays aussi longtemps que nous sommes dans les coins. Oui, mais je couvre chaque jour, mais les couvre chaque jour. Bah quand il monte au macabango on a vu que député tel et tel. Mais tout le monde a été, aucune personne, même les Congolais, même les politiciens, les président, demandant ça que ces gens-là soient d'abord déférés à la justice, afin qu'il faut à des fois aïe, sauf qu'on peut charger Malamouté. Nous, dans nos associations, il y a des gens qui peuvent venir les charger, s'ils étaient dans leur circuit. Vous n'en parlez même pas, vous, les journalistes. Mais il y a plus de millions de morts là-bas. Mais tu peux se là-bas. Non, mais c'est ça le problème, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Maintenant, regardez la responsabilité. Je vous ai montré la responsabilité politique. Parce que je vous ai parlé des responsabilités triangulaires. Oh, bah, reste comme ça. Il y a politique et Sili, il y a armée, il y a Wana. La responsabilité armée, comment une armée d'un pays, on peut retrouver ses tenues et d'autres munitions à son adversaire? Ça veut dire à l'interne, il y a la complicité. Oui, général Mayela lui. Ce qui armé ce qu'on aussi ça mbok en bitumbaté. Ça veut dire na carte armée, mungona za na carte ah, y armé. C'est général Mayela. Okay. Alors nana sali que c'est là papa nana, zo katangai. Nana sali que armé wana mungona kota. C'est le régime de 18 ans de Kabila que les gens ne connaissent pas.
Comment ils ont fait scientifiquement? Rebelle nous sont bimis. Obimé le wapi. Obimé le wapi. Comment on commis général à faire des essais? Toi, ce qu'on a le présent. Mais comment général on a dans le ballon? On y était. Général on a outé qui zamba wana. On a zagi rebelle. On les lois commis à faire des essais. Commis général à faire des essais. Ballon on y est dans notre. Pensez-vous que place à outi? Bateau basali qui pour comme général à faire des essais. À conserver dans le bock. Est-ce que tu sais ce qu'elle dit? A déjà enlevé tous ces gens-là. Lise la bagouille circulaire partout dans les réseaux sociaux. On les a déjà enlevés. Ça, c'est ce que vous devez composer. Vous devez demander compte à celui qui a favorisé cela. Infiltrer votre armée. Où vous avez les généraux plus que les caporals. Ça existe où? Ça existe où? Vous n'en parlez même pas. C'est ça la cause aussi de la trahison. La faute. Il y a FARDC. Merci, Olivier Bakato. Tu comptes à la place à la population. Je chute là-bas. Je chute, papa. Excusez, papa. Je chute par la population triangulaire parce que j'ai parlé des responsabilités triangulaires. C'est un gars qui n'a pas eu de temps. Naïbi, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, tout ce que le mouvement aux coordonnées, majorité populaire acquise pour le président de la République, un papier, action d'abino sur terrain, les années, mouvement d'abino, les années, bossane. Déjà, merci beaucoup. Je pense que la question est posée et que permet de rendre la population parce que tout ça côté la population. Majorité populaire acquise au président de la République, une synergie qui regroupe plus de quelques centaines des associations, des forces vives et politiques que j'ai l'honneur de diriger et initia qui programme Oye Bengami na Kombo ya Onesha Adoui Tupate Amani. La Kisa Munguna Potoza Kimia. C'est un projet. Le projet là, avant que nous lançons, on a S et Mboka. Et puis, tu es à l'Est. Pourquoi tu inities le projet Wana? Tu mets en place la population. Tu dis que le président est en train de faire son travail, sa responsabilité politique. L'armée, bien qu'infiltrée, est en train de faire aussi son travail sur le terrain, parce que malgré que c'est infiltré, il y a nos voyants militaires qui tuent, qui arrêtent les ADF qui les tuent. Vous comprenez? Qui s'écrisent, qui récupèrent même nos populations qui étaient enlevées, qui récupèrent les bastions, il y a ADEF. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la population, quelle est sa responsabilité? Dans une guerre asymétrique, la responsabilité de la population, c'est la dénonciation. Et depuis que vous lancez le projet, combien de bangouna déjà si la Kissi va dénoncer déjà? Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas dire au téléphone. Et que je ne peux pas dire na plateau. Le projet est lancé à l'est du pays. J'étais à Goma avec le gouverneur militaire lui-même qui nous a donné cette bénédiction. Lubero, Butembo, Beni, Oicha. Et si je peux parler de Oicha, vous avez l'image de Bogota là. Nous étions dans une salle où nous avons regroupé la couche sociale. Il y a chef lié, il y a territoire, il y a Beni. Où ils ont considéré territoire le plus meurtrière du monde. Vous comprenez? Où on égorge, on tue, on viole chaque seconde, alors tu sensibilises Bango. Tu dis Bango que pour guerre Oyo et si là, il faut aussi votre participation. La kata guerre Oyo. C'est ça la part. Il y a population. Il faut bon dénoncer. Batoyo, bazo tonga ba immeuble na makila ba congolais. Ça veut dire que son makile tangi na Beni, il y a ton immeuble à deux niveaux. Na ébite son na Kinshasa, son na Kigali, son na Kampala. Son makila peuple congolais tangi, il y a son mikpra do estika. Ces gens-là sont là, en politique, en armée. Vous comprenez? Alors vous, qui le sert de béquille, si vous n'arrivez pas à les dénoncer, aujourd'hui, Babomi Banalandu, Yosepeli, Lobipe, moi, Nalandu, Atikalakiwana, Azalakande, à côté d'un mouvement ADEF, à Kobomavé Bandekonayo. D'une manière ou d'une autre, vous avez des familles par-ci, par-là. Olivier Bakato, alors, c'est ça, il y a eu plusieurs dénonciations. Vous avez posé une bonne question, que la population va bailler. Alors, pour la guerre ou ainsi la paix, c'est d'abord la dénonciation et la population. Pour que dénonciation et la population est au banc. Bamosou, vous dénoncez déjà les lois qui sont maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé le projet. Alors, c'est une dénonciation anonyme. Il y a une dénonciation physique. Il y a une dénonciation qui a dénoncé le colonel tel. Le colonel a commis un ennemi. Vous comprenez? Vu que Tingi n'est pas bien sécurisé, a commis cible à colonel. Alors, si la dénonciation est anonyme, nous avons proposé ça aux autorités de ce pays. Nous attendons que le chef de l'État, moi je lance un message au chef de l'État lui-même. Vous êtes l'une des responsabilités, notre triangle des responsabilités. Je pense que alors, si, effectivement, si le chef de l'État a
à s'approprier le projet Oyo. À lui seul, il aura chaque seconde les collaborateurs dans l'armée, dans la politique, des gens qui ont entré d'une manière ou d'une autre fournir des ADEF et d'autres rebelles à munitions, en tenue et en vivre et non vivre. Vous comprenez? Pourquoi les chefs de l'État, il faut que ça, la politique, moko aux recommandations. Au moins, tant que les États-Unis, tant que les États-Unis, ils ont Luka, Kokanga, Ben Laden, on a mis une force spéciale, discrètement. Et cette force a travaillé, débordé même des limites continentales pour aller arrêter le numéro un, Yaba terroriste. Oyo et l'Elisa, peuple américain. J'ai dit au président de la République, ça c'est votre devoir. Nous, le gens de la quatrième génération, Oyozomema, génération Yabato Bagoyate Ponakoyiba, génération Bato Balingimbo Kalabango, génération Bato Bazoyate na politique, il y a autant de là que je m'y mette. C'est la politique utilisée par la troisième génération. Que vous êtes en train de jouer la transition de la troisième génération à la quatrième génération. Parce que génération Oyokotika, après mandat, yo, et ça bateau yo, bah en éducation à IGF. Bateau bah en éducation à Rolingamboka. Il y a patriotisme, le col à Ukraine. Que pour l'amboka, n'a rien à koukoufou. Mais moutou, moungou, n'a rien à trahir, bisoto lo, tolongolaï. C'est ça cette génération-là. Nous vous demandons de s'approprier ces projets. Afin que yomoko omwana, proposition autosali, bah dénonciation et salama. Justice et simple pour l'élé afin que tout le monde a une solution. Mais je demande aussi que Oyo ADEF va citer jusque-là, publiquement, ne pas les transférer à la justice. Dès que ça qui procède à Kamere. Kamere, bien sûr, procède à Kamere. Mais ici, c'est des millions de Congolais qui tombent chaque jour égorgés. Mais quand c'est lui qui les égorge, les cite et que vous les laissez, ça veut dire que vous êtes complice. Ouais, c'était là Olivier Bakatwamba, coordonnateur et à majorité populaire acquise au président de la République, un PAPR Namukusi, qui est au solennel par rapport à la prophétie, à Pasteur Roland Dalo, Tobé Pelissou, il y a ministre provinciaux, il y a jeunesse, il y a Tchouapa, ou à Wachukozala pour Nardé, et Toshita Kibongo, la Kometali Bongo, sécurité, na état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na partie est, et Mbou Kanabiso, Boki, Oyo, Asil Bongo, qui a avancé le cola argument, et puis à l'obique, il a lancé projet. Onesha, Amani, donc l'Aksa Mouna, Potozoa, Kimia, projet au hasard pour ça, chef de l'État à s'approprier Nango, et surtout à s'approprier Nango, solution et Kozama, pour les talibongo, Mobolo, la partie est, et Mbokanabiso. Merci beaucoup, Nanin Bozaki, Ebele, Yakolanabiso, merci à l'équipe technique et accompagné Kibiso. Je vois là, Vodi Ngituka, Ouazaki Bongo, devant la machine, Namoni Gelantawa, Bazaki derrière la caméra, et n'assistance y'a. Borello, Luzolo, Bisonabino Tokutani. La prochaine émission avec un autre invité. Restez-nous toujours fidèles. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.